L'accord de paix, signé à Bangui le 6 février 2019, a notamment permis aux forces armées centrafricaines et aux forces de sécurité intérieure de se redéployer dans plusieurs villes du pays avec le soutien de la MINUSCA. À Alindao, une localité qui fut longtemps la base de l'un des groupes armés signataires de l'accord de paix dans le sud de la Centrafrique, une opération de la MINUSCA avec la collaboration des forces armées centrafricaines a permis le démantèlement des barrières illégales dressées par l'UPC. La MINUSCA fait du bon travail. Elle mène des patrouilles avec des véhicules blindés en ville. Ces patrouilles sont excellentes. Il y a des changements depuis qu'ils ont signé l'accord de paix à Khartoum. La situation est meilleure. Il n'y a plus de bruit dans la ville. Plus personne n'utilise d'armes pour tuer quelqu'un. Il n'y a plus de désordre ni de bagarre. Le redéploiement des autorités publiques, civiles et militaires à Alindao a entraîné une reprise économique qui a redonné vie à cette ville meurtrie par 7 ans de conflit armé. Mais la situation s'est nettement améliorée. L'environnement sécuritaire s'est amélioré, c'est pourquoi vous voyez, il y a la circulation, il y a la reprise des activités. Avec le démantèlement des barrières illégales dressées par l'UPC, les commerçants peuvent de nouveau utiliser les principaux axes routiers sans être forcés de payer des taxes illégales. Depuis la signature de cet accord de paix, il y a eu des changements dans la ville d'Alindao. Par exemple, les gens n'allaient pas loin pour cultiver, mais maintenant ils peuvent sortir de la ville. Avant la signature de cet accord, les gens ne pouvaient pas voyager ou se déplacer. Désormais, ils peuvent voyager en dehors d'Alindao pour acheter des marchandises et revenir les vendre ici. Malgré la persistance de nombreuses violations, les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix se disent attachés à cet accord. Ils encourent des sanctions s'ils s'opposent au rétablissement de l'ordre et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire.